Voici comment dégonfler votre ventre et nettoyer le côlon. Il est impératif de procéder au nettoyage du côlon ergoulis point d'interrogation inversement afin d'éliminer les déchets et les toxines qui y sont stockés. Ces substances, nocives sur le long terme, s'accumulent à cause d'une mauvaise alimentation, d'une hydratation insuffisante, d'un manque d'activité physique et du stress. L'importance du nettoyage du côlon. Le côlon est le terminus du parcours effectué par les aliments ingérés. Organe primordial de la digestion, il facilite l'absorption des nutriments et nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme et permet d'éliminer les toxines dans de bonnes conditions. Il est divisé en 5 parties A. Le cæcum, qui se trouve en bas et à droite de l'abdomen, le côlon droit qui remonte vers le foie, le côlon transverse qui remonte un peu sous les côtés gauche, le côlon gauche qui redescend vers le bassin, le côlon sigmoïde qui ? Inversé très dans le bassin. Le nettoyage du côlon est important pour éliminer les toxines et les bactéries des peaux et car si elles sont stockées trop longtemps elles risquent d'affecter la persistance des bonnes bactéries et d'empêcher, négation logique chère l'absorption des nutriments essentiels contenus dans les aliments qui ont été digérés. Les déchets persistants dans l'organisme risquent d'entraîner une baisse d'énergie, de ralentir la perte de poids, de causer des maladies et de perturber le fonctionnement du système digestif. Pour faciliter et accélérer ce processus, il est possible d'avoir recours à deux ingrédients naturels qui vont permettre de purifier le côlon, il s'agit du vinaigre de cidre et du miel. La recette pour purifier le côlon. Ingrédient A. 2 cuillères ? Inversez sa soupe de vinaigre de cidre biologique 2 cuillères ? Inversez sa soupe de miel organique 1 grand verre d'eau ? Inversez 2. Préparation A. Dans un grand verre d'eau inversé 2, ajoutez le vinaigre de cidre et le miel et mélangez jusqu'à ce que le miel se dissolve. Tous les jours, boire un verre de cette boisson 100% naturelle. Le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre est riche en composants bioactifs, notamment l'acétobacté qui facilite la décomposition des morceaux d'aliments qui restent collés aux parois intestinales. Il diminue le taux de sucre dans le sang ? Inversé S un repas, réduit la tension artérielle et régule l'activité intestinale. De plus, son action alcaline contribue au bon fonctionnement du système inversé digestif et soulage les parois irritées du côlon. Reconnu comme tant une véritable panacée depuis la nuit des temps, le miel agit sur la constipation et régule le transit et les fonctions intestinales grâce à sa forte teneur en fructose. Celui-ci circule jusqu'au gros intestin sans avoir été digéré, donc quand les bactéries intestinales débutent la fermentation, il permet d'attirer une grande quantité d'eau dans l'intestin et assure ainsi un effet laxatif. Le miel est un allié incontournable pour soulager naturellement les troubles liés au système digestif et au transit. La combinaison des deux ingrédients. Combinés ensemble, ces deux éléments inversés dans des vertus miraculeuses grâce aux nutriments essentiels qu'ils contiennent et aux propriétés médicinales qu'ils inversés dans. Ils favorisent l'élimination des déchets et des toxines stockés dans le côlon et renforcent le système de défense de l'organisme. Tous deux riches en minéraux, en vitamines et en antioxydants, ils permettent de lutter contre les radicaux libres et l'oxydation des cellules. De plus, leurs propriétés antibactériennes ont un effet équivalent à celui d'un antibiotique naturel pour purifier l'organisme et ralentir le vieillissement des organes. Ces deux alliés sans agissent également dans la prévention du cancer du côlon et ralentissent la propagation des cellules cancéreuses lorsqu'elles se trouvent dans les poumons, la vessie et la prostate entre autres. Ils interviennent aussi pour baisser le taux de mauvais cholestérol dans le sang, LDL, traiter les reflux acides, les douleurs aux articulations et l'eczéma, lutter contre les baisses d'énergie et les de fatigue, et combattre la mauvaise haleine.